Bonjour à tous, ici 14 FRS 2507 Sébastien. Bienvenue dans une petite présentation vidéo de ma nouvelle antenne donc Delta Loop, destinée donc à un usage 100% portable. Donc cette antenne a mis un peu plus de temps à voir, comme dirait l'autre, un petit peu le jour. Donc elle se compose toujours donc de deux brins de canne à pêche. Ici, donc il me restait deux cannes à pêche, du moins les kits repérage pour les enfants sur la plage. Donc je me suis servi donc de ces deux kits pour fabriquer donc cette antenne. Ensuite, ces deux brins de canne à pêche sont fixés grâce à une première partie, une deuxième partie, donc deux éléments de débroussailleuse, donc en plastique. Ici, ici. Un premier support, un deuxième support de ma porte de drapeau que j'ai assemblé l'un sur l'autre. Ça permet de les visser et d'avoir le bon angle de fabrication. Un petit boîtier plastique noir donc de récupération aussi. Ici c'est pareil, un morceau de plastique qui permet de serrer le câble pour éviter qu'il bouge. Et bien sûr la descente transformateur d'impédance. Donc d'une longueur de 1,80 m qui permet de relier ici le câble 50 ohms. Donc le tout fixé sur une plaque en aluminium que j'ai tout simplement découpé à la forme un petit peu voulue donc de l'antenne. Donc ça c'est pareil, acheté dans un magasin donc de bricolage là pour à peine 6 euros donc la chute. Le morceau ici de tube aluminium qui vient d'une ancienne Discone. Derrière il y a les pattes donc de fixation. Donc une antenne déjà testée ce matin. J'ai fait déjà donc un DX avec et ça fonctionne déjà vraiment très très bien. Et une fois replié, ça donne une antenne vraiment très très compacte. Prochainement dans une prochaine vidéo et l'antenne sera fixée donc sur un trépied, voilà, qui est en cours fabrication ou du moins de modification. Les bonnes 73 à vous, 14 FRS 2507 Sébastien.